vas pas dormir pour ta propre pendaison, Jack. Dis-leur de commencer ça. Allez, tu peux le faire. Enfin, peut-être. Est unique en son genre. Apprends de tes aînés et de tes pères. Ces maudits gardes. La vie de pirate ne se résume pas au pillage, Jack. Il y a aussi les impondérables. Yeah.
prends ton chapeau. Avec ta tête. Le pirate n'apprécie pas notre hospitalité, hein ? Pourrais-tu laisser au corbeau ? Ne bouge pas là-dessus. Savoir manier une épée ne sert à rien sans l'intelligence et la vitesse. Je suis prêt à t'entendre implorer ma pitié. Pas le temps de discuter, Jack. On doit y aller. Utiliser ton environnement à ton avantage. Je crois que ça va te plaire. Regarde. La vie de pirate ne se pas au pillage. Il y a aussi. C'est faire souffrir les nouveaux que je préfère. Pas le temps de discuter, Jack. On doit y aller. Après ton épée, ton pistolet est ton meilleur ami. La vie de pirate ne se résume pas au pillage, Jack. Il y a aussi les impondérables. Après ton épée, ton pistolet est ton meilleur ami.
Apprends de tes aînés et de tes pères. Après ton épée. Thank you.
Thank you.
je peux presque sentir le goût de la liberté. Ils ne tortureront pas ici. Nous n'est pas l'imbécile, je vais faire très mal. Méfie-toi, j'adore entendre crier.
Jack, plein de compagnie. Tu dois trouver la bohémienne Tia d'Alma. Elle est à Port-Royal, quelque part. Elle peut t'aider à rallier nos frères pirates, Jack. Et c'est la seule chose qui pourrait nous sauver la peau. La seule chose. Je serais normalement ton obligé, mais il n'y a tristement pas la moindre voie. Tu as vu un fantôme ? Je suis hanté par un petit arrangement que j'ai conclu. Le Black Pearl renflouait des profondeurs en échange de mon âme pour 100 ans de servitude à bord du volant des volants. Pas très équitable comme marché. À l'époque, j'avais pas vraiment le choix. Et maintenant, le diable réclame son dû et... La Terre. Je dois aller à Terre. Où ça, Jack ? Port-Royal. Il y a quelqu'un là-bas qui est toujours de bon conseil dans ce genre de situation. Tu me suis ? Et qui est-ce ? La belle est très exotique, Reine Vaudou, Tia d'Alma. Sur le pont, tout le monde, au l'appareil. Que Beckett a mis nos têtes à prix, on ne sera pas vraiment en sûreté là-bas. La situation désespérée, solution désespérée. En outre, mieux vaut être pendu que dévoré. Enfin, d'après moi. Sois le témoin de ma quête pour retrouver Tia d'Alma. Jack Sparrow.
Les vents te ramènent enfin à moi. J'ai eu quelques contretemps. Des cannibales, des tornades. Un gouvernail qui ne tournait qu'à bâbord. Quand même. C'est longtemps pour me trouver. C'est mon compas, il marche pas. Jack Sparrow ignore-t-il les désirs de son cœur? Pas du tout. Ce que je veux, c'est naviguer, sans me faire dévorer. De la terre. Je connais ton accord avec Davy Jones, Jack Sparrow. Garde cette terre avec toi, tu seras peut-être en sécurité. Peut-être. Y aurait-il une solution qui se rapproche plus de... certainement? Il existe une clé qui ouvre un coffre. Ce coffre contient le cœur de Davy Jones. Et celui qui possède le cœur... Contrôle Davy Jones. Je garderai ça en tête en cherchant les maîtres pirates. Un de ces pirates, qui se fait appeler le Capitaine Cheval, est ici, à Port-Royal. Ça me facilitera la tâche. Il sera bientôt pendu. Pourquoi les pirates ne peuvent-ils jamais se comporter honnêtement? Connaître l'accueil que Port-Royal réserve à ceux de ton espèce. Jack Sparrow, c'est une bonne chose que tu sois là. Eh ben, si c'est pas Jack Sparrow en personne, ça... La bonne journée. Je crois que t'as mouillé dans le mauvais port. Que fait un individu de ton espèce par ici? Passez une bonne journée. Vil coquin que ça ne m'étonnerait pas. Toutes mes salutations, Jack. Voir implorer en vain ma clémence. Jack Sparrow. Je suis un peu pressé, gouverneur. Attendez, mon Elizabeth. Lord Beckett l'a déclaré pirate pour vous avoir aidé.
Elle s'est enfuie vers Tortuga pour retrouver Will Turner. Et Will Turner cherche à être retrouvé, je suppose. C'est promis, je les chercherai tous les deux. Jack Sparrow. Alors, ça fait un bail, hein? Si vous me racontiez de quoi il s'agit, hein? Hein, l'ami? Écoutez, Jack. Mes pieds me font un mal de chien. Je suis tiré en courant. La pire chose que j'ai.
crois vraiment, hein? Comme d'habitude. Mais si. Il a peur. Elle m'a dit, je te l'interdis. Eh ben, je l'ai fait quand même. Vous êtes nouveau en ville? Vous avez jamais vu? Salut mes amitiés. Ce que je vois. Je suppose qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. De grâce, ne t'évite pas de ton sang sur mes effets. Je peux rien te promettre. Huh?
Jack, le temps presse malheureusement. Le lieutenant Floyd et ses hommes ont rossé Montanari et ils se servent dans notre rhum. Jack Sparrow. Je vais t'achever avant que tu ne me donnes la nausée. Mon devoir envers la... Un marmouset se battrait mieux que toi. Ah.
pirate. Heureusement, le vent emporte son odeur au loin. Je vais t'achever avant que tu ne me donnes la nausée. Je vais prendre mon temps. Pirate, toi. Dépêchez-vous de sauter dans ces tonneaux. Sur le présent lieu d'exécution, afin d'y être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Votre dépouille sera ensuite enterrée aux alentours de la prison. Que Dieu vous accueille dans sa grande miséricorde. Jack, toujours adepte des entrées remarquées. Considère ça comme un paiement partiel pour cette nuit à Tanger. C'était fort sympathique. Bien. Nous nous verrons au conclave, Jack Sparrow.